On va suivre la route. On va suivre la route cette fois. Ça a l'air d'être un peu la merde si on veut tracer. On va se faire le grizzly. Je vois rien. Ça fait un peu tricherie quand même. Je pense que je l'aurais eu de toute façon, mais ça fait un peu tricherie de voir là en rouge là. Oh la vache, tombe pas. Biche de Virginie Putri. Grizzly. Cool. Franchement, le Springfield est vraiment cool. C'est dans un cul-de-sac, d'accord. Le Springfield est vraiment, vraiment cool. Surtout celui-là qu'on a modifié, là. On lui a mis tous les accessoires, on lui a mis une lunette en plus. Et ça fait tout, ça fait vraiment le boulot. Avec des balles express, là. Ça fait vraiment le boulot. Super précis. Pour le moment, on tue tout en une balle. Ok, j'avais pas vu ça par contre. On va rester sur la... Okay, then, girl. On va rester sur la route. Il y a des rochers en fait dans la poudreuse, c'est abusé. Putain, c'est bien fait. Hein. Oh mon dieu, j'ai pas envie. Putain. Ça ferait un peu chier de perdre la peau de l'ours quand même. Enfin, de la peau du grizzly. Donc on va y aller doucement. Yeah.
Bon Aporion. À tout à l'heure. Easy, easy. C'est un peu abstrait les routes. Non, on va être bon là. J'ai l'impression que le cheval a du mal à accélérer en fait dans la neige. C'est quoi cette cabane? On peut y aller ou pas? Quelqu'un? Non. C'est pas le village du début, ça? Je crois que c'est celui-là. Ça y ressemble. Là, mais ça nous fait une putain d'aventure juste pour prendre la photo d'une personne, quoi. Je sais, mais c'est un défi. Là, on y est. You're in the wrong camp, stranger. I don't mean no harm, okay? Just want to speak to Hernandez. We don't take to visitors up here. Kill this fool! J'arrive pour toi. Je
Meilleur jeu du monde intersidéral. Salut El Coda, ça va? Flacco Hernandez, you in there? I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you about Boy Calloway. Pull your weapons away, and I'll come out. I'm unarmed. Je suis pas armé. Façon de parler. I just want to talk about Boy Calloway. Sure. Here's your message. Ah, putain. C'est bon? This one won't miss. C'est bon, on arrête? La carte au trésor? Okay. Non, pas ça. J'ai été sympa en plus. Je lui ai tiré sur le bras en premier. On a un nouveau revolver légendaire. Allez, viens. Oh, putain. Oh, le cheval, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de ranger les armes sur le cheval normalement, mais juste au cas où. Quoi. Comment on fait pour les donner? Non, c'est pas grave. Revolver de Flacco. C'est pareil. C'est pareil. Il est tout en argent celui-là. La crosse, elle est pas mal. Ah. Je sais pas. Je sais pas vraiment quoi utiliser en fait. Je pense qu'on va garder le Midnight parce qu'il est rapide. Et après il y a Granger ou Flacco. C'est plus ou moins les mêmes. À la limite, je préfère celui-là en argent. En arme. Je passerai mon temps à pêcher et chasser. Ah non, mais rien que ça, oui, ça prend énormément de temps, mais c'est abusé. On pourrait avoir deux revolvers, mais j'aime bien le pistolet automatique, quoi. Enfin, semi-auto. Mm-hmm.
j'utilisais des balles normales, ça va. Ouais, c'est pas mal. Théorique. Ça. Allez, ramène-toi. On va fouiller tous ses collègues et on se casse. Ah, on a une carte. Oh putain. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On verra plus tard. On peut le fouiller, Gringo, là? Apparemment, non. C'est pas grave. Ça fait stylé, maintenant, d'avoir un revolver en argent avec la crosse en je sais pas quoi. En ivoire, peut-être. Et on garde le semi-auto en deuxième. Je l'ai eu celui-ci. Oui, tout ce qui est côté simulation, pêche, chasse et tout ça, c'est pas mal, bien fait. Bon. On a fini avec cet endroit. C'est pour se réchauffer. Maintenant, faut partir. C'est le ranch qu'on... Je crois qu'on lui a mis le feu. Glacier, Spider Gorge. Bon, faut repartir. Photographier des animaux, je crois pas. Je crois pas qu'on en ait besoin, non. Il y a des quêtes avec ça. Il y a des quêtes où il faut photographier des animaux, mais... C'est quoi ça? Mais c'est tout. Ah, c'est des loups. Des coyotes. Les loups, ça devrait être plus gros. Ça, c'est des loups. C'est bon, ils nous ont lâché.
Je pense qu'ils auraient plus peur, oui, que... C'est vrai que dans le jeu, ils sont assez violents, les loups. Tu tires en l'air, ils ont pas vraiment peur. Tu leur tires dessus, ils continuent à vouloir te bouffer les miches. Donc ouais, mais bon. C'est pour rajouter des animaux dangereux, je pense, dans le jeu. Parce que sinon, il y aurait que l'ours. Et l'ours est quand même extrêmement rare. Donc c'est pour rajouter un peu de danger dans la jungle, quoi. Dans la jungle, vas-y, parler. Il y a des cougars aussi, mais ils sont rares. Je dois en voir deux, peut-être. Là, faut qu'on aille donner notre peau de grizzly. Ouais, qu'on rentre au camp, en fait. Enfin, je... Ou au trappeur, pareil. On retourne dans le monde de la chaleur. Et des meurtres. On va éviter d'aller dans les rapides parce que la dernière fois on a perdu des pots comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Just go away, will you? I'm not talking to you, cause you won't talk to me. You won't, and it's not fair. Bonne nuit, Clodos. How come you get to make the choice and not me? Just leave me alone, will you? This is exhausting. Lui parler. I just don't want him to see me. We're not friends anymore. We're not. They won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I know you want it. I can smell it on you. Well, it ain't happening.
No, it isn't. That's why I'm out here, well away from them. See, they come for me, but I'm watching. Yeah. I never sleep. I never do. Okay. Je sais pas. Je sais pas ce que c'était tout ça, mais ok. T'es sûr que tu dors jamais? Neige encore. Où est-ce qu'on va du coup? On va au camp ou un trappeur pas loin? Alors, on va aller à Rod et on va faire un peu d'histoire, je pense. On va faire l'histoire de Mary Beth. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'histoire principale. Momentarily. Hey, dépêche. T'as que ça à foutre. May I help you? Il est pour Rhodes. C'est parti. Yeah.
On va faire la, la quête de Marie Beth. Ça a l'air intéressant. Par où je passe? Calme. Elle a vu des alligators. Ça va, il a même pas. Il a même pas attaqué. Oh. Easy now. Whoa, that's a good girl now. Mais calme-toi. All right, simmer down. We should do something fun this evening. You settling back in? I like it here. Lots of places to explore. Evening, Mr. Morgan. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donnez. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. All right, Pearson. Fine, but make sure you get a good price for it. Many thanks, Mr. Morgan. This camp could do with a few improvements. Why don't you take a look at my ideas? Ah, on a sûrement débloqué quelque chose, je pense. Yes. Boy Scouts will be very pleased. How's it going? A few changes never hurt. All right, we're done. Voilà. Par contre, je préviens, je vais pas streamer très longtemps parce que je suis crevé en fait. Et je commence un peu à. Je pensais que j'allais tenir, mais je commence un peu à fléchir. Donc, on va faire une mission principale, je crois. Et pas vraiment plus en fait. Ah, Pearson. On va faire l'histoire de Mary Beth, parce que je voulais la faire depuis un moment. Mais à chaque fois, on a quelque chose d'autre. Hello, Mary Beth. Oh, how are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Oh. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur.
Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Okay. All right, head for Rhodes. And quick. She's in Rhodes? Oh, do you want me to drive? No. She's at a place called Bradley's. J'ai pas quelqu'un sur le bas. West of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her in Valentine. Yes. They probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they touch a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Of course I care. About all of you fools. Some just require a firmer hand than others. You especially. Okay, I think that's the place up ahead. Eh bien, marrant elle. Yeah. I think there's a guard. I'll deal with him. Whoa. Ah, je suis pas mon cheval. We're lost and in need of some help. Don't get out of here. Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. But you don't mean nothing by it. I said. You said your last words. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Bah, ok. Parti. Ah, il a pas, il voulait, il ciblait Tilly à la place de du mec. Peut-être qu'il était trop près en fait, ça faisait une attaque corps à corps. Yeah, it don't matter what you thought, it's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. The one in front of the boat. Bring him back alive. I ain't done with him yet. Son. All right, get after him. Putain, faire ça la nuit, c'est top. Yep. Hey, défonce-les, défonce-les. Ne tire pas dessus. J'aime bien comme Arthur, il est... Il est baissé, c'est marrant. Hey, je peux tirer ou pas, moi? On va juste prendre un flingue.
women, we'll take him back to Tilly. Go on. Capture le chef de la bande au lasso. Don't kill him yet. I want Tilly to have the last word on this bastard. Come on. Get him, Arthur. Dans quelle histoire on s'aventure à chaque fois. Allez, allez le cheval. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe, Goldo? Come here. That's it. Now make sure you time up real good. You son of a bitch. Make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. I'll take his horse. Hey. Trouve pas de parti. You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. Just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a damn coward. Bastard. Son of a bitch. 45 minutes de recherche, oh la vache. J'avoue. You're coming with me. Yeah, pousse-toi le cheval. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the bastard. All right, you. Come on. Let's get you home. Yeah. Now get out of here. Non, non, trois fois non. Là, on va fouiller un peu. Qu'on est rentré comme une brute, lui, il a pas vraiment eu le temps. Lui, on l'a séché direct. C'était marrant. On examine la carte, on s'en fout.
Après, une fois que tu trouves une partie, Goldo, il faut vraiment rester dedans, quoi, je pense que c'est ça. Après, ça... Après, tu peux continuer à jouer. Mais il faut la trouver, quoi. Ah, il y a la mâchoire défoncée et tout. Oh. Yeah. Nasty. L'huile pour l'arme. Silence. Plomb pour fusil à pompe standard. J'aime bien l'ambiance du jeu à chaque fois. Du coup, la mission a pas duré longtemps. Hein. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Damn. T'es sérieux? Ah bah ouais, mon cheval il est au camp, merde. Y'a pas le cheval là qu'on a utilisé? Ok. Well done. Allez, mange! C'est vrai que ça prenne en mémoire en fait. That's a good girl. Affection cheval niveau 1. Tu as le trophée à avoir 70 médailles d'or en mission. Médaille d'or. Enfin, c'est faire les missions en or quoi, c'est ça? C'est juste ça. Voilà, ouais. Oui, y a pas de classement, c'est ça que... C'est ça que je voulais dire. Allez voler du bétail. What do you want? Don't be like that.
This is a good one. Yeah, it always is with you. Until we start getting shot at. Well, have you ever been shot at by a cow? Whose cows? It's Drunken Rancher up at Hill Haven Ranch. He's such a flop that we could take a whole marching band up there and steal, and he still wouldn't wake up. And he's a son of a bitch. He said unkind things about me. No, he ain't all bad then. I owe you after last time. This could be my make good. I don't know. I need you. You know those two bastards that buy stolen livestock. Sure, I know them, but I don't like them. I'll give you 60% of the take. How many cows? I don't know, small herd, I guess. 20, maybe? 20, huh? Come on. Ah! Fait quand même beaucoup, hein. Ok, let's mount up. So where's this ranch? It's right in the middle of Scarlet Meadows. Just past the road's turnoff. J'aime pas trop m'occuper des troupeaux, en fait. So how'd you find out about this place? I've been hanging around the saloon and roads a bit. Rhodes? Yeah, the barkeep there gossips like a fishwife. And a couple of times he's mentioned how this rancher's a fall-down drunk these days. Sounds like he don't know his ass from his armpit half the time. You sure you ought to be hanging around Rhodes after everything that happened? What do you mean? I mean, it ain't gonna do your health no good if they find out you ride with us. Nah, it's fine. I was never there at the same time as you boys. And they'd never reckon on a distinguished old feller like me running with a bunch of reprobates. Well, just be careful. Yep. How old are you, anyway? Well, let's just say I was born sometime between the fall of 49 and the fall of Rome. And my second wife always used to describe me as ageless, though she did leave me for a younger man. Hmm. Maybe we should cut you open. Count the rings of whiskey. Now I'm ready for my retirement, though. Let me tell you. You've been pretty much retired from the moment I met you. I mean the tropics, you know, the real deal. What Dutch is talking about. That's why I jumped on this opportunity. Sooner we get enough money to leave, the better. Dancing girls with flowers in their hair, warm sand, cold beer. That's how I'm gonna see out my days. Well, I'll believe it when I see it. We're gonna cut up this way. Il vient de casser le panneau. Pas grave. All right. Let's get up there on foot from here. Don't want the horses clopping around outside the window. Come, let's take a closer look. No. Oh, shit. Look over there. The hell? Who are these clowns? I don't know. This is the first time I ever seen anyone else here. Let's sneak up closer. What? Ils essayent de voler le bétail aussi? I think I got a plan. Hurry up. I'm doing the best I can, so shut up. Hurry up and be quiet. You said he was a drunkard. You said that we could play the fiddle and we wouldn't wake him. I was talking in a metaphor. Now hurry up. Oh, what's a metaphor? You're a jackass. That's a metaphor. Shit, you hear that? Get your gun out. Close in. J'ai merdé ou pas? J'ai merdé parce que j'ai sprinté pendant que j'étais accroupi, c'est ça? Well, come on, you better break the padlock. My lockpicking skills ain't what they used to be. What a surprise. That was loud. Yeah, well, we ain't got time. You said he ain't gonna wake up and we ain't seen him yet. I'll get him out. Right up next to the house to keep him from running off on us. Ça se passe pas vraiment comme prévu. Move it.
Oui, il y en a un peu plus que 20, non? Non, 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 te bloque pas, toi. Voilà, très bien. J'aime pas trop faire ça. Après, bon, c'est simple quand même, ça va, c'est pas... Ils l'ont vraiment simplifié, le truc, mais... Faut faire attention qu'il n'y en ait pas une qui se casse. Chacun d'un côté. C'est l'autre, il me suit en fait, ce con. T'es vraiment pas utile, toi. Oh la vache. Merde. Oh, que chier. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Ça arrive. Oh mon Dieu. On va faire attention cette fois. C'était caché. Complètement ça. Il m'aide, mais alors pas du tout, l'oncle. Hein. Il m'aide pas du tout. Si on entend le train, on va se mettre devant le troupeau. On va l'arrêter. Ouais, ça a l'air d'être bon. Keep moving. Allez, pêche. C'est ça qui est drôle dans le jeu, franchement c'est ça qui est énorme, c'est les trucs les choses aléatoires qui se passent en fait. C'est juste super. Oh la vache, oh la vache. Mais presque. Bien joué. Ah, c'est bon, c'est bon.
Voilà. Je suis pas une vache. C'est bon, on a fini là. Merci. Well, hey there. What you got? Cattle. Well, I can see that. Whose cattle? Yours now, if the price is right. Well, I can give you $50. Okay. $50 each times 20 cattle. No, no, 50 total. This is old Squeer's cattle. He knows me. I can't do better than that. I'll have to move them right away. We'll take 200, friend. But I got costs. $150. $75 and not a dollar more. $100 and I don't shoot you. So menacing. Clyde, pay your friend here. Bye now. Be careful out there. This is nasty country. Hey, don't forget to put some in the pot. Oh, of course. Like I told you, easy. Sure, I guess. I'm headed home. You coming? Nah, I'll see you later. Nah. En fait, il n'y a qu'une vache à driver, les autres suivent, non. J'ai l'impression que ça dépend un peu des missions. Genre celle-là, elle était plus ou moins simple, donc il n'y a pas de vaches qui se... Les vaches se sont pas vraiment éparpillées. Mais je me rappelle à un moment, je sais plus si c'était des vaches, je crois que c'était aussi du bétail, je crois que c'était des vaches. Il y avait des vaches, en fait, qui s'échappaient du troupeau, et il fallait aller les récupérer, genre, une par une à chaque fois. Donc je pense que c'est plus ou moins lié à la mission, certains, c'est comme ça, t'as juste le troupeau qui reste en un seul bloc et c'est plus ou moins simple, mais certains d'autres missions en fait ont du bétail qui s'échappe. Mais ouais, là c'était simple, là ça va, c'était simple. C'est quoi cette lumière? Pourquoi ce camp? Hey, all right. What not looking did for I trouble tell here. You? Get the hell out of hey, here. Hey, calm down. Maybe you can help us. It ain't like this is going well. Really? Ah, shit. Nothing to lose, I suppose. Come on. The truth is, mister, our last batch of shine didn't turn out so good. You think you can help us with locating some ingredients? We could reward you for your troubles. What? Could help. Happy to. You know, wild tobacco might give us the rich, earthy flavor we are looking for. Je dois en avoir. Tobacco's got big green leaves and sometimes flowers white. See you fellas later, then. All right. I know you'll there's some plants. Dans les environs? Lots of flavors about with all these plants and herbs nearby. Non, on s'en fout, on va pas chasser. On va pas chasser les bestioles. Mais genre ils disent dans les environs, genre les environs ici ou les environs le monde. Parce que bon, si c'est les environs ici, ça serait con.
C'est à côté. D'accord. Moonshine. Dire qu'on en avait plein. Oh merde, j'ai toujours mon truc. Non, on va pas chercher 3 heures non plus, hein. Si on les trouve, on les trouve. Si on les trouve pas, on les trouve pas, c'est pas grave. Easy, whoa. Aucune plante. Tabac indien. C'est ça qu'il veut ? Voilà. Tada. Le mec, il aurait pu le faire lui-même quand même. C'est vraiment pas loin. Hé, hey, boulet, j'ai trouvé votre tabac indien. So, what's on the menu? Toss what you got in the mix and we'll give it a taste. Non, c'est l'autre côté. Place him in the hatch on the side of the still. Là. Voyons voir. Ok. All right. I'm gonna give this a taste. La surprise. S'il faut, ça va le tuer. Well, ain't so tasty, but dang if I don't get a prickly feeling. Real sharp. Well, that sounds kinda interesting. Why don't we rest up a spell and then whip up another batch later on? We got a rare victual in that chest there. Take it. I'd say you earned it. Appreciate it. Yeah, merci. Ah, du rhum de pirate, c'est pour augmenter le niveau, ça, je crois. That's that, then. On peut dormir ici ? Oh, non, on peut pas se reposer. Se reposer, peut-être. Fais voir. Ah. Ah, mais je crois qu'on est au niveau maximum. On peut pas gagner d'expérience, ok.
75 vers niveau 8, très bien. On n'a pas d'autres. Non. On ne peut pas gagner expérience santé au maximum. D'accord. Donc il ne reste plus que le sang-froid. Fabriquer, cuisiner. Balle pour fusil à pompe explosive. Pourquoi pas? Je crois qu'on en a jamais utilisé de ça. C'est bien de fabriquer des balles pendant qu'on est bourré. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Pour que ça nous pète à la gueule. Je crois que c'est parfait. Est-ce qu'on peut dormir? Non, on peut pas dormir. On est trop proche d'un camp en fait. C'est pas grave. On va s'arrêter là par contre. Ah. Moi je tiens plus, faut que j'aille dormir. J'en peux plus. Ça fait même pas 3h, ça fait 2h30 de live, je sais, mais demain on en fera plus. On commencera plus tôt. Et on continuera jusqu'à sûrement minuit, ça dépend comment on y va. Mais on fera beaucoup plus de Red Dead Redemption. Plus c'est vendredi soir. Non, si, ce sera vendredi soir. Donc on va s'arrêter là, pour soi. On va sauvegarder.